Salut à toutes les potos, j'espère que vous allez bien équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le développement du serveur Garry's Mod. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter tout simplement le système de farm qui va être présent sur le serveur. Alors déjà, je tiens à dire quelque chose de base. Je sais que ce système ne plaira pas à tout le monde, que des gens qui cherchent du fast RP, du RP rapide, facile, ne vont pas adhérer, d'accord? Nous, on propose une expérience de roleplay révolutionnaire dans le sens du gameplay. D'accord, on propose quelque chose de plus poussé, d'accord, qui demande bien entendu plus de comment dire d'investissement personnel. C'est-à-dire que sur du Arma 3 ou sur des GTA 5 RP, vous n'allez pas devenir riche en 30 secondes. Dans la vie réelle, vous n'allez pas devenir riche en 30 secondes. Sur la majorité des serveurs Gmod, vous devenez millionnaire en 30 secondes. Voilà, donc sur notre serveur, sachez que ce système pousse le RP, je vais vous expliquer pourquoi, mais aussi pousse la difficulté. Donc déjà, premièrement, on va s'attaquer au système de stockage. Alors, déjà, je tiens à dire que, bon, on est sur la GM Construct, on est sur le serveur dev. Donc, même la HUD que vous voyez en bas, ça ne sera pas lui qu'on aura. Il y aura vraiment rien de tout ce que vous verrez actuellement, à part ce que je vais vous montrer au niveau des PNJ et du stockage. Alors, au niveau du système de stockage, en gros, vous avez un sac à dos que vous pouvez acheter à un magasin. Voilà, un petit sac à dos de 1, 2, 3... 4, 5 slots, voilà 5 slots que vous pouvez avoir tout simplement. Et vous pouvez stocker tous les items du jeu. C'est-à-dire, vous pouvez stocker n'importe quoi dedans. Hein. C'est-à-dire, là, vous voyez, boîte de récolte, c'est un outil. Carton de LSD, c'est de la drogue. Je peux vraiment stocker tous les items du jeu. Que ce soit des armes, des accessoires, des armes, j'ai déjà dit les armes, des entités, des ingrédients, etc. Vous pouvez vraiment stocker tous les items du jeu. Donc déjà, pourquoi nous on fait que ce système? Parce qu'en fait, l'inventory est fouillable quand vous êtes menotté, que ce soit par la police ou par les gangsters. Enfin, par les gangsters. Par les autres personnes, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien cacher sur vous, dans votre corps. Comme en l'occurrence, on l'avait avec la meth. Je vais vous le montrer directement. Avec cet add-on qu'on a modifié, que j'ai modifié. J'ai le max d'entity spawn. Je vais supprimer un peu de la cocaïne. Voilà. Donc vous voyez avec la meth à l'époque, c'est pas celle-là, bordel. Avec la meth à l'époque, voilà, bon là la donne je l'ai complètement modifiée, vous pouviez en fait stocker la meth sur vous. Ben là c'est plus possible, vous voyez si j'essaye de faire E dessus, ça ne marche pas. Donc il faudra la prendre et la stocker, hop là, dans votre inventaire. Et là vous voyez bloc de meth, hop là. Donc déjà au niveau de ce système, je trouve que ça pousse le RP au maximum. Parce qu'il n'y a plus de délire de la cocaïne, les drogues ou quoi qui sont, on va dire, cachées dans votre cul, hein, et que personne n'a le moyen de les trouver. Donc déjà, pour le niveau du sac à dos, ça pousse le RP au maximum. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais là, 5 slots, c'est rien, quoi. Quand tu as besoin de faire des voyages et tout, c'est pour ça qu'en fait, vous avez deux caisses. Donc la petite caisse, voilà, avec 8 slots, et l'autre, la grande caisse, qui est en 16 slots, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous avez deux caisses. Donc ces caisses, en fait, vous allez pouvoir les stocker dans votre véhicule. Voilà, donc là, mon véhicule est ouvert, vous voyez. Hop là, j'ai ma petite caisse. Et dans la caisse, en fait, vous allez pouvoir stocker tous vos items, en fait. Tous vos items, voilà, vous pouvez les stocker dans vos caisses. Donc vous pouvez vraiment faire des gros convois, entre guillemets, avec le coffre blindé de le coffre blindé de, pardon, de caisses et les caisses remplies d'items. Au niveau du coffre, très simple, voilà, si le véhicule est fermé, vous n'avez aucun accès au coffre. Il suffit que le véhicule soit ouvert pour tout simplement avoir accès au coffre, comme ceci. Donc bien entendu, imaginons que moi je suis de la police, j'arrête cette personne. Bien entendu, je peux le fouiller lui, mais je peux aussi fouiller, si je le désire, son coffre et regarder ce qu'il y a dans ses caisses. Voilà, pour vérifier qu'il n'a rien d'illégal. Donc là aussi, il n'y a plus de délire de je cache mes trucs, etc. Les caisses, donc les caisses comme ça, peuvent être destructibles. Peuvent être détruites, elles sont destructibles. Sachant que si jamais vous les perdez ou quoi, vous les faites voler, son contenu est perdu. Si vous mourrez ou que vous vous déconnectez, votre sac à dos est perdu. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais si par exemple on a des items qu'on a envie de sauvegarder, si jamais on déconnecte. Vous avez des tout petits trucs comme ça, voilà, des coffres de stockage qui seront un petit peu partout sur la map, sachant que la map est énorme, il y en aura un petit peu partout. Et en gros, dedans, vous pouvez, vous voyez, stocker, vous avez un nombre de slots. Vous pouvez stocker vos items et eux resteront en fait dedans quand vous déconnecterez. Alors voilà, on n'a pas quand même un nombre d'items qui est énorme, sachant que bon, c'est quand même un coffre, voilà, un coffre assez petit.
Et on n'avait pas envie non plus de mettre une centaine de slots. Voilà, donc va falloir faire le tri dans ce que vous gardez et ce que vous n'avez pas besoin. Voilà, donc ça aussi, ça, on va dire, pousse le roleplay au niveau du stockage. C'est au joueur maintenant de se dire, ah, il faut que j'économise de la place. Ah, peut-être qu'il faut que je prenne une caisse pour mettre 6 dedans, etc. Voilà. Sachant qu'en plus de ça, les items ne sont pas superposables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre, comme à l'époque sur les inventory pick-up que tous les serveurs ont, 4 ou 5 armes superposées avec 4 ou 5 trucs superposés. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'inventory de tout ce qui est stockage d'items. Maintenant, au niveau du farm. Ça, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Comment ça se passe le farm sur les serveurs? C'est très simple. Soit vous faites F4, vous mettez trafiquant de meth, vous achetez votre meth avec votre menu entité, vous faites votre meth, vous allez la revendre à un PNJ, le prix du PNJ est fixe et vous gagnerez toujours le même nombre d'argent. Ou des fois sur certains serveurs un petit peu plus développés, ce qui se passe c'est très simple, c'est qu'en gros, ben, vous arrivez sur le serveur, vous allez au Pôle emploi, vous allez à un PNJ acheter les items, vous faites votre drogue et vous la revendez au PNJ toujours au même prix. Nous on pousse vraiment le RP au maximum. Pour chaque métier, bien sûr, il y en a qui n'en ont pas besoin de licence. Pour chaque métier, il y a le système de licence. Donc, par exemple, là, j'ai pris l'exemple de la cocaïne. Voilà. Donc, imaginons que je vais faire de la cocaïne. Ce PNJ, en fait, va me permettre d'acheter les matériaux pour faire ma cocaïne. Le problème, c'est que si je n'ai pas la licence, il ne va pas vouloir tout simplement s'ouvrir. Il va me dire, dégage, tu n'as pas la licence. La licence, je précise, est stockée dans une database. C'est-à-dire que si vous déconnectez, si vous mourrez, si vous tombez dans le coma, quoi qu'il arrive, si vous ne changez pas votre personnage, vous ne pourrez pas tout simplement perdre votre licence. Bien entendu, on pourra vous l'enlever sous certaines conditions, RP bien entendu, mais vous ne pouvez pas perdre votre licence. C'est pas genre à chaque fois que j'arrive sur le serveur, putain, je dois me racheter une licence. Non, parce que les licences sont chères, les licences sont un investissement, et c'est ça aussi qui est bien, c'est que vous pouvez tout faire en tant que civil sur le serveur, mais pourquoi ça va être intéressant? C'est parce qu'il va falloir choisir une voie professionnelle. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout faire. Quand vous allez commencer à avoir un petit peu d'argent à vous développer, il va falloir choisir. Vous n'allez pas vous dire, ouais, je veux faire ci et ça. Non, vous allez devoir vous spécialiser dans quelque chose. Le légal ou l'illégal, qui est plus risqué mais plus rentable, etc. Et chaque métier aussi a, on va dire, son lot. On a fait exprès de faire ça. C'est que chaque métier a son lot de points forts et de points faibles. En l'occurrence, la cocaïne, très simple, très discret. Pas trop de déplacements à faire. Mais très long. Voilà. Tout simplement. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous allez pouvoir développer votre business. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec un petit hangar, avec 2-3 pieds de coke, 2-3 barils, etc. Pour finir dans un putain d'hangar, avec une centaine de pieds de cocaïne, 30 mecs qui travaillent pour vous, et ça charbonne. Ça, comme je dis encore, c'est les possibilités du RP, elles sont infinies avec le système qu'on essaye de mettre sur le serveur. Donc là, imaginons que vous avez votre licence, vous achetez votre licence, voilà, vous allez aller voir le PNJ, et voilà, vous allez pouvoir acheter tout simplement, bon là c'est pas les vrais prix, etc. Vous allez pouvoir acheter donc vos items, voilà, vos barils, etc. que vous allez stocker dans votre inventaire, etc. Vous allez les mettre où vous voulez pour les stocker, vous allez aller chez vous et vous allez faire votre cocaïne. Voilà. Donc bien entendu, il n'y a pas tous les items pour faire la cocaïne dans ce PNJ. Il y a certains items que vous devrez aller chercher à d'autres PNJ qui eux sont disponibles sans licence. Ce qui permet aussi à des personnes qui n'ont pas la licence de cocaïne d'acheter des items permettant de faire de la cocaïne. Par exemple, imaginons moi j'ai cette licence. Il y a un gars, il va me dire ouais, tu pourrais pas me vendre un baril? Je dirais ouais, ben moi le baril là, tiens, je l'ai, voilà. Ce baril, le baril stage 1, je l'ai, je te le vends à tel prix. Ok, d'accord, pas de souci. Hop là, bam. Et lui, il va pouvoir avec son baril peut-être faire de la cocaïne alors qu'il n'a pas la licence. Donc ça va aussi créer un premier, on va dire, business au niveau des matériaux de fabrication. Donc il y aura déjà un premier business, une première économie au niveau des matériaux de fabrication. Parce que bien entendu, si tu revends des matériaux, tu vas te faire un bénéfice, etc. Donc voilà, l'économie aussi est très poussée. On fait une économie roleplay dans le sens que ce sont les joueurs qui font leur propre économie. Bien sûr, il y a des règles, il y a une structure. Mais on part du principe que la majorité de l'économie va être faite par le joueur. Donc voilà, imaginons, vous faites votre cocaïne, on continue tranquillou, vous êtes chez vous, vous faites votre cocaïne. Voilà, donc vous avez vos petits blocs comme ça de cocaïne. Je vais détruire ça. Voilà, vous avez votre petit bloc de cocaïne. Dans un serveur normal, vous allez les prendre, vous allez les amener au PNJ, vous allez les vendre par exemple à 5 000 euros. Et voilà, vous allez revenir chez vous, refaire votre coque. Là en fait... Il va vous falloir une deuxième licence qui est la licence de revente. C'est-à-dire que ce PNJ, si vous n'avez pas la licence pour y accéder, il va pas vouloir s'ouvrir, il va vous dire dégagez, vous n'avez pas la licence.
Et tout simplement, ce PNJ va vous permettre, comme je vais vous le montrer, voilà, donc imaginons, je viens de finir ma cocaïne, voilà, je prends ma cocaïne sur moi, donc là, j'ai mes trois blocs de coke. Voilà, je vais voir mon ami le PNJ. Si j'ai la licence, vous voyez, donc, un petit panel s'ouvre. Voilà, vendre zéro article. Et donc là, je vais tout simplement, hop là, mettre ma cocaïne. Et là, hop là, il récupère la cocaïne et il te donne l'argent. Voilà, donc très simple d'utilisation. Et en gros, c'est ce qui permet, on va dire, d'exporter les drogues et les matières premières, bien entendu le pétrole, l'uranium, etc., à l'extérieur de la ville. C'est-à-dire que le prix de ce PNJ, pour l'instant, parce qu'après, par la suite du serveur, on va inclure un système de bourse, pour l'instant, le prix ne changera pas. Alors pourquoi c'est vachement intéressant? C'est-à-dire que cette licence pour revendre la drogue est vraiment chère. Déjà, celle pour acheter les matériaux est quand même relativement chère, mais celle pour revendre la drogue est chère, très très chère. Sachant que plus la drogue, on va dire, est intéressante, plus les prix augmentent, ce qui est logique. Il y a quand même de l'évolution au niveau du serveur. Toutes les drogues ne sont pas au même niveau, etc. Comme je vous dis, chacune a son point fort, chacune a son point faible, et chacune a son échelle de revente. Et donc, imaginons que moi, j'ai tout simplement la licence pour exporter la cocaïne. Mon intérêt principal, certes, ça va être de faire de la cocaïne et de la revendre, mais mon intérêt principal, c'est de revendre de la cocaïne et d'exporter de la cocaïne. Donc ça va être de trouver des gens qui font de la cocaïne, mais qui n'ont pas la licence pour la revendre. Et inversement, ces gens qui font de la cocaïne chez eux, s'ils peuvent pas la revendre, ils vont la stocker, hein, ils sont pas cons, ils vont pas la jeter. Ils vont la stocker, et peut-être que par A plus B, ils vont trouver un contact, et ce contact va leur racheter la cocaïne à un certain prix. Et c'est ça aussi que je dis, c'est que l'économie va être faite par les joueurs. C'est-à-dire que peut-être qu'un tel va vous dire « Ouais, moi, je vous rachète votre bloc de cocaïne, je dis un exemple bête, hein, à 200 $ $.» Un autre va vous dire « Moi, je vous le rachète à 300, les gars, le bloc. » Du coup, les deux personnes qui rachètent la coque, pareil, des possibilités roleplay. Mettre la pression à l'autre, essayer de faire du business ensemble, essayer de faire en sorte que l'autre quitte définitivement le trafic de coque, aller balancer à la police des informations. Tout le RP, en fait, se voit refait et offre beaucoup plus de possibilités aux joueurs. Ce n'est pas juste le système de farm. Je suis tel métier, je fais tel métier, je fais tel truc pour faire mon entité, je prends mon entité, je vais la revendre au PNJ, je gagne tant d'argent à tous les coups et je reviens chez moi. Là, ça oblige la communication, ça oblige la communication, ça oblige le roleplay. Et des gens qui jouent mieux roleplay, comme je le dis avant tout, nous, on impose le roleplay non pas par les règles, mais par le gameplay. Un joueur qui joue un roleplay moyen va plus galérer sur le serveur qu'un très bon joueur roleplay. Parce que le très bon joueur roleplay va avoir des contacts, va savoir ce qu'il fait, va faire du bon travail, va comprendre un petit peu les mécaniques, comment ça fonctionne, avoir les bonnes personnes, avoir les bonnes informations. Et au final, cette personne avancera plus vite que quelqu'un qui est là en mode « Moi, je m'en bats les couilles, je fais tout seul dans mon coin, nique sa mère tout le monde, et dès que j'ai une arme, je vais braquer tout le monde. » Voilà. Enfin, c'est... Pour vous donner un petit exemple, voilà, c'est vraiment le roleplay qu'il y aura sur le serveur. C'est le gameplay de notre serveur, en fait, tout simplement, récompense le roleplay. C'est-à-dire que le gameplay récompense le roleplay. Plus tu joueras roleplay, plus tu réussiras à, on va dire, avancer paisiblement sur le serveur. Je dis pas rapidement, je dis paisiblement. Certes rapidement, mais certes aussi paisiblement. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de révolutionnaire. Comme je le dis, ça va pas plaire à tout le monde. Il y en a, ils vont se dire, ouais, c'est pète couille et tout. Moi, j'ai envie de faire ma drogue, vendre et hop là, terminer, embarquer, c'est pesé. J'ai pas envie de galérer 20 ans et essayer de trouver un mec qui me rachète ma drogue. Sachant que ça se trouve, c'est un mec qui travaille pour la police, etc. Parce que ça aussi, sur le serveur, on va avoir un système, on va dire, faudra pas faire confiance à tout le monde, quoi. Hein, parce que ça peut très vite partir en couille. Mais voilà, en tout cas, ça va pas plaire à tout le monde, mais je sais que des vrais joueurs roleplay, et c'est ce que nous recherchons, des vrais joueurs roleplay, je sais très bien qu'ils vont être attirés par ce type de RP, et que dans tous les cas, ça ne pourra que fonctionner pour des joueurs qui ont envie de pratiquer du roleplay sérieux, du RP sur le long terme, du RP où c'est pas un jour mafieux, un jour policier, un jour maire, un jour trafiquant de drogue, voilà, c'est vraiment un roleplay sur le long terme. Et comme je vous dis, c'est ça aussi qui fait le roleplay, c'est l'attachement à son personnage. Quand vous faites du roleplay et que vous travaillez dur pour monter un business, etc., ça fait plaisir de voir que ça fonctionne. Ou inversement, ça fait chier de voir que des mecs vous mettent les bâtons dans les roues, etc.
et vous vous identifiez plus à votre personnage que si vous faites du F4 entité, hop là, je vais revendre au PNJ, terminé. Voilà. Bref, sur ce les potos, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Le serveur, franchement, est quasiment fini, je vous cache pas. On est en train de quasiment finir le développement. Ça, c'était vraiment les plus gros add-ons, on va dire, à faire du serveur. Avec d'autres, bien entendu, mais c'était vraiment la plus grosse fonctionnalité, entre guillemets. Parce que tout le système de farm se base autour de ça. Et donc voilà, je pense que le serveur, il n'en a plus pour longtemps avant de pouvoir voir le jour. La map, comme je vous l'avez sûrement vu, elle est quasiment finie. Voilà, donc vraiment, à mon avis, le serveur devrait ouvrir d'ici peu. Bien entendu, vous serez teasé. Vous serez teasé pour l'ouverture du serveur. J'espère la vidéo vous a plu, les potos. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, me dire aussi ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Si vous avez des idées, tout ça, si par exemple vous vous dites, ouais, ça peut-être que ça serait mieux comme ça ou quoi, il n'y a pas de souci, les gars. Je suis preneur, il n'y a aucun problème. Et sur ce, les potos, je vous dis, prenez soin de vous, pas de folie. Allez, à plus.